je disais. Tu m'as sur l'info. Ah tiens, s'il vous plaît, elles ont dû les voir parce que ça se trouve, ça fait une semaine qu'ils sont là. Moi j'ai fait l'air, moi. Ça me stresse d'être. Thank you.
Je m'appelle Léa, j'ai 17 ans. Pour l'instant, je suis au lycée, en terminale L. Je pense que je me sens plus à l'aise avec les gens. Avant, j'avais plus de mal à parler et j'étais plutôt timide. Maintenant, je suis toujours timide, mais beaucoup moins. C'est plus facile. Je compte pas vraiment sur les gens. Je fais pas ça pour leur faire plaisir à eux. De toute façon, je les connais pas. Enfin, ils sont pas là dans ma vie réelle. Si jamais j'ai des problèmes ou quoi, ils s'en fichent un peu. Donc, c'est surtout pour moi que je le fais. Pour l'instant, j'ai 11 000 abonnés, je crois. Donc, je me dis que j'ai de la chance. Mais pas que je suis célèbre ou quoi. Parfois, quand on m'arrête dans la rue, je crois que je suis plus gênée que les gens qui m'arrêtent. Donc ça m'impressionne un peu. Je suis plus impressionnée que ces gens, je pense. Je parle à ma caméra comme si je parlais à une copine. Et du coup, c'est comme ça que je suis. Et les gens, ils me voient comme s'ils me connaissaient depuis toujours, en fait. Ils trouvent que ma vie leur ressemble et ils peuvent s'identifier à moi. Moi, mon pseudo YouTube, c'est Asma Makeup, de mon prénom Asma, en fait. Je suis youtubeuse beauté sur YouTube, blogueuse aussi. J'ai commencé l'aventure YouTube il y a maintenant 2 ans, bientôt, en février. Et aujourd'hui, je suis à bientôt 18 000 abonnés, ou voire 18 400 abonnés. Je fais des tutos sur le voile, bon, sur le maquillage surtout, mais sur la façon de poser le voile. C'est pour enlever cette image de voile neutre, de montrer aux femmes qui sont voilées, ou même à celles qui ne sont pas voilées, que nous-mêmes, on est des filles normales, en fait. On est coquettes, on a envie de s'habiller, on a envie de se coiffer. Et c'est peut-être pas la chevelure qu'on essaie d'embellir, mais avec le voile, on essaie de s'embellir. Je pense que c'est plutôt une forme d'élégance. Les commentaires négatifs, je le prenais vraiment mal. À plusieurs reprises, j'ai voulu même arrêter ma chaîne parce que je me disais, bon ben, c'est peut-être tout mal ce que je fais, parce qu'il y avait des personnes qui me disaient, ben, pour une fille voilée, c'est pas bien de se maquiller, c'est pas bien de ci, alors que c'est noté nulle part dans notre religion qu'on n'avait pas le droit de se maquiller, quoi, en fait. Certaines fois aussi sur Facebook, on a dû me prendre 2-3 photos et on les avait mis sur des pages, genre, regardez les filles voilées de 2013, nanina, enfin bref. C'est, je pense, le prix à payer. De s'exposer sur YouTube, je pense. Donc voilà. Je peux être maquillée et être pudique. Et être maquillée et ne pas être pudique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans la façon d'être, dans la façon de parler, la façon de même de marcher, de rigoler dans la rue. Non, voilà, si je suis là à brasser de l'air et d'être vraiment extravertie, oui, voilà, c'est un manque de pudeur. Connaître des choses d'autres personnes et d'autres cultures, ça nous apporte toujours un plus. Et donc, ma chaîne est ouverte à tout le monde, et que je le dis et que je le répète. C'est vraiment une chaîne beauté ouverte à toutes les filles et à toutes les femmes. Bernadette. Huit lettres.
Tristan, 7. Ouais, Bernadette. Remaillé. Ouais. Oui, absolument. Je comprends pas, Tristan, vous l'aviez inscrit. Je l'ai pas osé. Vous n'avez pas osé? Oh, ah, ouais. Bah... Oui, c'est vrai que c'est bon. Parce que d'habitude, on dit remailler. Hein, remailler un bas, mais on autorise aussi.